le monde concernant tous les événements, nous devons changer nos lunettes. Et les idées qu'on avait, 20e siècle, c'est mort, c'est fini. 21e siècle, c'est la philosophie qu'il a fondée, il a créée, qu'il a, créé, qu a installée. Taliban, il y a déjà 20 ans, ont été chutés d'Afghanistan. Ils sont de retour. Pourquoi ils sont de retour? Puisqu'il y a un accord. International qui a été préparé depuis des années, et il y a en plus actuellement équilibre mondial dans le diplomatie aussi a été changé. C'est à dire, quand l'Amérique des États-Unis, monsieur Joe Biden, il est quelqu'un lié aux politiques internationales économiques de Open Society, de maison de finance de Soros, lui. Il fait des choses en faveur de cette économie qui est son capitale, capitale de Soros. Ce n'est pas aux États-Unis, ce n'est pas à Moscou, ce n'est pas à Londres, ce n'est pas en Israël, il est en Chine. Sa femme, elle est chinoise et le capital, il est la Chine. Actuellement, la Chine, la Russie et l'Amérique avec Biden, et ils ont deux autres alliés assez forts que vous ne savez pas trois autres alliés très forts que vous ne savez pas. Ces trois alliés musulmans, trois alliés musulmans qui sont tous les trois très forts. La Turquie, Arabie saoudite et l'Iran, la République islamique de l'Iran. Alors les talibans, s'ils sont au pouvoir, c'était un accord international. Tout le monde était d'accord. Les talibans étaient allés avec Poutine négocier au Qatar, avec les Américains depuis des années négocier. Euh, avec la république islamique et, euh, avec même arabie saoudite qui sont en guerre ces trois pays turquie arabie saoudite l'iran sont en guerre mais sur certains points qui concernent la mondialisation ils sont ensemble.